réalité, c'est un métier, la sérigraphie, pour être à l'aise, il faut effectivement avoir de la curiosité. C'est un métier un petit peu physique. On est souvent mobile, on est souvent debout, on est souvent en mouvement. C'est vrai que du coup, il faut apprécier ça. On travaille aussi beaucoup de ses mains, même si on a des machines. On a beaucoup d'étapes de préparation où on doit être minutieux. On manipule effectivement des formats, on les prépare, on prépare des écrans. Donc c'est vrai que c'est un métier en fait où il faut aimer être dynamique et pas rester effectivement sans travailler de ses mains. On évolue aussi beaucoup si en fait les normes progressent. On a des encres qui sont par exemple de plus en plus propres. Une fois qu'on est en activité, il faut se maintenir en fait informé. Hein, c'est un métier qui évolue aussi dans ses supports. On a par exemple aujourd'hui des demandes où les clients, par exemple, ont désormais des exigences par rapport à l'écologie, à l'environnement. Donc le sérigraphe n'est pas tout le temps en train de faire la même chose. Il est aussi en train de rechercher des nouveaux produits pour être plus dans les normes. On a aussi le numérique qui commence à faire son apparition. Le sérigraphe va aujourd'hui faire appel à des outils numériques pour des fois des petites séries. Donc on considère qu'un sérigraphe accompli, c'est un sérigraphe qui maîtrise la sérigraphie classique, mais qui a aussi une ouverture en fait vers le numérique.